Bonsoir les amis. Bah écoutez, c'est JP de retour après une semaine pour une petite vidéo, pour un petit retour sur un liquide gourmand. Donc voilà, de chez Yami Vapor, le Milk Gate. Voici l'étiquette, toujours super bien sérigraphiée avec Yami Vapor, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça y est, enfin, si je puis dire, à 80% installé donc dans mon nouveau chez moi, non loin de Caen, à 25 km de Caen, voilà. Donc l'installation s'est pas fait évidemment sans difficulté, c'est toujours la réintégration vers son pays d'origine, de lâcher tout ce qu'il y avait avant, voilà, faut tourner vraiment la page, il faut mettre les bouchées doubles. Mais j'avais envie ce soir donc de vous faire un petit retour quand même, pour pas montrer un signe d'absence, voilà, beaucoup trop important. Donc là, ce n'est pas le milk, ce n'est pas le milk gate hein, qui est dans cet atto. C'est mon jus que j'aime, que j'ai recommandé hein, de chez Icy Pop, le Blue Raspberry, hein, une framboise bleue rafraîchissante, voilà. Donc là, je le vape. Vous entendez un petit peu, on a l'impression que je joue du pipeau, hein. On entend bien. Donc ça, c'était le Tornado Hero. Eh ben oui, je vous avais parlé éventuellement de faire un chapitre rétro-vape. Et après, sur le coup, je me dis, si je vous montre du matos qui est sorti il y a 2 ans, si ce n'est juste pour en parler, si vous avez envie de faire acquisition sur ce matériel, c'est même pas sûr que vous le trouviez encore. Bon, en tapotant sur le net, je vois qu'à certains endroits, les atos de chez eJoy sont encore dispo. Voilà. En tout cas, bon, celui-ci, effectivement, Tornado, c'est une vraie tempête de vapeur. Hein. Voilà. Alors, bien entendu, je fais très très attention de ne pas souffler la vapeur à ma gauche parce qu'il y a le détecteur incendie qui est installé. Et là, ça m'est arrivé plusieurs fois d'oublier de passer au-dessus en vapotant. Et là, c'est parti pour le sifflement. Je vous dis même pas le son de la vidéo. Voilà, donc je fais attention en dégageant la vapeur du bon côté, hein. Donc voici, donc écoutez, sans faire non plus un chapitre rétro-vape, moi le Tornado Hero, en termes de saveur, c'est pas ce qu'il y avait de plus exceptionnel de mémoire, effectivement, et en remettant du jus dedans, je m'aperçois que, effectivement, voilà. Ceci dit, celui-ci, comme il a un côté rafraîchissant, tout ça, cet atto a forte capacité que je n'ai plus en tête. Comme vous pouvez le voir ici, c'est pas un petit tank, ok, il y a de quoi mettre, et ça c'est vraiment pour faire des beaux clouds, mais quand même avec un minimum de saveur. Voilà, je vais clore le chapitre donc sur cet atto, puisque c'était pas le but de cette vidéo, le but étant de vous présenter donc un jus de chez Yami Vapor. Voici, donc pour le faire, je vais goûter également sur un toujours de chez eJoy, sur le Tornado 150. Alors pour le coup, ce petit atto que vous voyez là, au niveau des rendus de saveur, en tout cas j'ai essayé qu'un gourmand là-dedans, c'est super, super. Il vaut mon Amite 25 sur lequel je vape régulièrement. Donc je l'ai mis dans celui-ci. Effectivement, alors c'est un atto qui consomme énormément, hein, parce que la gamme Tornado voulait que, voilà, également. Solliciter la bonne production de vapeur. Il y a des grosses arrivées de jus. Il y a 4 grosses arrivées de jus. Voilà, c'est vraiment une machine à gaz. Par contre, comme l'atto est assez réduit, on est quand même près des résistances là au niveau de. Quand on tire une barre, on est quand même pas loin de la chambre d'atomisation. Et là, on a vraiment un rendu de saveur qui n'est pas négligeable et qui est vraiment très appréciable, très très content d'avoir ressorti un matériel d'il y a 2 ans qui marche du feu de Dieu, hein. Et puis alors au niveau des vraiment des rendus de saveur, moi je suis bluffé. Alors bonne chambre d'atomisation, deux bons coils dedans, donc 70 watts. Pour vous parler davantage donc du Milk Guide, donc on est sur un Milga,
Ah, je suis à l'ouest, hein. On est donc sur un nougat un peu laiteux, voilà, de la gamme Yami Vapor, mais pour l'instant, dans la gamme Yami Vapor, j'ai pas vraiment été déçu jusqu'à présent, et ça continue avec ce petit jus qui est quand même fort agréable, une bonne gourmandise pour le matin, pour ma part, au café, formidable. Voilà, donc sans plus attendre, eh ben, on va essayer de retranscrire un petit peu ce que le palais détecte au niveau des arômes qui constituent ce jus. Allez, c'est parti. Production de vapeur démentielle. Alors, au niveau du taux PGVG, j'aurais dû réviser mes leçons avant de lancer le tournage de cette petite vidéo. Mais je pense qu'on doit être soit c'est 70-30 ou 75-25. On est vraiment sur de la glycérine végétale, voilà. Tout simplement. Magique, magique, le goût de ce jus que je recommanderais pour quand j'ai besoin de gourmand, celui-ci, il est vraiment ses chaussures à mon pied. Donc, un nougat, on parle d'un nougat. Je rajouterai un nougat légèrement vanillé, mais on est vraiment là-dessus, hein. Alors, pas le nougat où on sentirait un nougat avec des noisettes. Comme on pourrait acheter dans le commerce un nougat avec des noisettes dedans, on serait plutôt sur un nougat nature vanillé sans fruits à coque dedans. Ok. Le tout superbement bien arrondi. C'est super. Je ne peux pas vous confirmer à 100%. Il aurait fallu que j'aille voir la description avant de faire la vidéo. Ça aurait été beaucoup plus simple. Maintenant, je pense que c'est vraiment notre palais qui va nous définir un petit peu ce qu'il y a dans le jus, sans être accroché absolument à la description. Donc, on est vraiment ouais, sur un nougat nature, sans fruits à coque. Peut-être un peu laiteux, effectivement, mais je pense avec une connotation de vanille. Voilà. En tout cas, un super gourmand par rapport à mon Maloman de chez Keep It de mémoire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il est vraiment très très bon. Les yeux fermés. Les yeux fermés, les yeux fermés, je vais le recommander sans aucun souci. Alors, excusez-moi, je ne me suis pas acclimaté au nouveau temps de Normandie où je me trouve actuellement. Il y a des averses, il fait froid, et puis tout d'un coup, paf, on tape à 25 en journée. Ça peut redescendre tout à coup à 15 avec des averses, et puis forcément, bon. Voilà. Alors, vous allez me dire, je suis jamais content. Quand j'étais au Vietnam, j'avais trop chaud, c'était les ventilos en pleine poire. Là, c'est jour où on n'oublie pas de fermer le switch parce que là, voilà, dans l'appartement, le chauffage étant coupé, voilà. Donc, c'est un changement radical pour l'organisme de température. Alors, quoi vous dire de plus? Quoi vous dire de plus? Donc, je vais essayer de reprendre un peu plus activement les vidéos. J'ai pas mal de matos, hein. Bon, pareil, c'est du matos qui a 8 mois, 10 mois, hein. Donc le Vegode Pro Mec 2, ok, que je suis en train de, avec un, je crois que c'est l'élite dessus, il me semble, voilà, c'est un kit, hein, de toute façon. Donc je suis en train de le dompter parce que le problème des Vegodes, je parle pas du mode, je parle du dripper, c'est que ça pisse comme c'est pas possible, donc il y a un jeu de cotonnage à faire dedans. Je suis en train de le dompter un petit peu, mais je vous ferai un retour. Si vous avez envie, dites-le-moi en commentaire détaillé de ce super mode méca qui fonctionne très bien. Voilà. Donc voici. Au niveau du matos,
Peut-être, je ne sais pas encore à au moment où je fais cette vidéo, peut-être que dans l'après-intro, je vous filmerai, moi, petite exposition de matos que j'ai ressorti sur une étagère. Je ne sais pas encore si je vous mets en pré-intro. Voilà, bah, de toute façon, au moment de cette vidéo, vous savez ou pas si je l'avais mis en intro. Et si c'est le cas, bah, vous avez vu, on ne se rend pas compte, mais accumuler les achats, on arrive à quand même pas mal d'atouts diverses et variés, quoi. Voilà. Également, j'ai renouvelé, je vous l'avais dit que je renouvellerai mon parc à accu. Donc, bah, écoutez, c'est chose faite, puisque dans diverses boîtes de plus, il y en a déjà dans des box, là, j'ai tout simplement dépensé mon argent pour en prendre une dizaine d'un coup. Sony VTC5A. Je veux être sécure dans la vape, je veux être sécure et je sais que l'accu est un élément primordial pour ne pas se mettre en danger. Voilà, avec des accus revrapés, voilà, qu'on peut voir dans le commerce. Donc là voilà. Donc je me suis fait un petit étiquetage pour savoir, bon bah ça c'est pour mes box électro. Hein. J'ai une boîte dédiée pour la relo. Puisque généralement, voilà, on met toujours les trois mêmes accus qui se déchargent en même temps dans cette box. Donc ça, c'est une boîte spéciale pour ma relo. Donc là, on a bah, box électro. Je précise la date à laquelle les accus ont commencé à démarrer. Voilà. Et là, vous voyez, c'est une boîte pour les accus mode méca. Voilà. Donc je sais que ces accus, ils sont déchargés de façon aléatoire quand j'utilise justement. Pour le citer, le mode méca V-God que j'ai actuellement. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà en ce qui concerne ce petit retour. Quand le temps en Normandie sera un peu plus clément, on a des super petits parcs, des super espaces verts. Et pour vous présenter, parce que j'ai encore plein de jus à vous présenter, hein, bah, cette fois-ci, j'essaierai de me mettre en extérieur. Voilà, quand le soleil et les beaux jours vont revenir et que surtout que j'ai pas envie de me prendre une averse au moment où évidemment je suis en train de faire une petite vidéo. Voilà mes amis. Bon bah écoutez, j'espère que ce petit retour, ce petit passage furtif vous aura fait plaisir. Je vous dis bah écoutez, à très bientôt et comme à l'habitude, une bonne matinée, un bon après-midi, une bonne journée. Ça dépendra à quelle heure vous allez regarder cette vidéo et moi je vous dis à très vite mes amis. Allez, bye bye!